Thank you.
Grimaldi, président par intérim de la FFAB. Message de félicitations à l'occasion du 30e anniversaire de la présence de Tamura Shian en France. Il y a donc 30 ans que Tamura Shian nous a quittés pour la France. Les innombrables souvenirs du temps des Ushideishi nous remplissent d'émotion. L'aïkido se manifeste aujourd'hui comme la voie pratique de l'unité corps-esprit qui donne naissance au développement spirituel. C'est pourquoi l'aïkido attire et suscite une curiosité et un intérêt partagé par des gens toujours plus nombreux venus du monde entier. Le développement de l'aïkido est dû notamment à Tamura Shian, ainsi, bien entendu, qu'aux nombreux Shian qui font vivre le cœur de l'aïkido. Il est incontestable qu'ils sont une des forces majeures qui ont permis à l'aïkido de se développer. Nous pouvons sans aucun doute compter sur le rôle prééminent de l'aïkido dans l'éducation des générations à venir. Au moment où s'ouvre cette perspective, Tamura Shian franchit le cap des 30 ans de présence continue en France et nous ne pouvons que nous réjouir des immenses possibilités que cela laisse augurer. À cette occasion, je prie pour que Tamura Shian continue avec la même ardeur à faire vivre la voie de l'aïkido pour le bien de l'humanité et la paix dans le monde. Avec mes sincères félicitations, Aikido Shu, Uchiba Kishumaru. Équipe, beaucoup de monde. Don't
wait the contact. N'attendez pas pour le contact. This is a method of training in the beginning. Donc ça c'est une méthode d'entraînement pour débutants, au début. So now Frank coming to the Maui. Ensuite, quand vous sentez que le Maui se rapproche, vous dire, vous bougez directement. This is one way to training. Ça c'est un moyen d'entraînement, une méthode. But now the friend coming to my Donc par rapport aux trois méthodes que j'ai dit tout à l'heure, sur saisie, au moment du contact, puis là, c'est avant contact. Maintenant, quand le Mawai se rapproche, à ce moment-là, vous en faites. Hey! S'il vous plaît. So don't contact. Là, on ouvre la main. Bah, tout le monde fait ainsi. Ah. C'est là qu'on est en train de faire. Là, c'est, vous voyez, c'est plus naturel, non? Mais quand on coupe par-dessus, c'est là, c'est différent. Ça, c'est pas la même chose. Là, il faut faire attention. On est en train de faire ceci. Même si on ne fait pas tomber, on a... On peut absolument faire facilement tomber. Là, avec ce sens-là, on travaille. Là, maintenant, on ne laisse pas saisir la main. Il faut faire couler. Many different way to do it. Il y a tellement de manières de faire. In the beginning, try not to contact. Au départ, de ne pas faire de contact, de laisser couler. Normalement, bien sûr, on fait ton.
Dans une prochaine étape, essayez maintenant de développer un peu plus le sens du rythme. Et continue like a horizontal movement. You don't get Jesus, you can go down, just create the rhythm. Si vous continuez seulement sur un plan horizontal, vous n'avez pas créé de rythme. Il faut à un moment donné descendre et remonter. Donc le fait de descendre, d'entrer, de descendre, de remonter, ceci crée un rythme. So try, just like bouncing ball. Wow. Essayez de penser back, comme si vous faisiez rebondir une balle. Si un hookah ne donne pas de réponse à ce mouvement de rebond ou de ressort, c'est fini pour lui. Donc entraînez-vous à développer ce rythme. So use all your body, utilisez tout votre corps. So not just arm, pas seulement les bras. Again, so open finger, ouvrez vos doigts. Not loose, Donc essayez de développer l'habitude de pouvoir descendre dans une position très basse. Avec cette sensation, vous travaillez. C'est beaucoup plus simple, plus intéressant pour vous. そうですね。動きが変わってきた。投げることばっかりあんまり一生懸命ならないで。投げることを一生懸命。そうじゃない。
take step, 10 direction. Hey, Shiho Nage. Si vous restez trop longtemps ici, donc vous êtes à découvert. Ce n'est pas également plus une question de vitesse pure des bras. Les bras vont vite, mais le corps reste en face, il ne sert à rien. Le corps doit bouger, sortir de la ligne d'attaque. C'est pas l'immobilisation la plus importante, c'est qu'il faut, qu'il vienne. Là, c'est accrochage ici, c'est beaucoup plus important. L'immobilisation, ce n'est qu'un résultat du mouvement précédent. Là, on coupe bien, donc il est obligé de perdre son équilibre. Là, on peut entrer comme cela, mais ça, c'est votre choix. Plus tard, instinctivement, c'est l'instinct qui choisit les techniques. C'est là, il faut saisir cette sensation-là. Quand on est saisi, il y a déjà le choix.
Ou bien, ça, je pense que c'est autre chose hein, que précédent. Il faut qu'on recherche tous les mouvements.
Le fait d'utiliser la tenue vous permet de contrôler votre direction, votre distance. Take the hand from underneath. Prenez la main par dessous. And after again. Nouvelle tenue. So this just causes another attack. Si vous entraînez simplement pour générer la chimie, c'est lui qui vous fait vous frapper. Donc la tenue arrête et on fait la deuxième attaque. Don't stop here. Et ne vous arrêtez pas ici quand vous entrez. Continuez à faire le deuxième pas. En vous abaissant votre temps. Other hand, how to take feeling of this? La deuxième main va saisir les doigts. Ou alors va renforcer votre pouce. Not sweat with your hand. Ne cherchez pas à briller sa main avec votre main, justement. And the whole of your body. Vous saisissez, c'est votre corps qui s'est tourné. Et vous mettez la paume de sa main contre votre genou. Je voulais vous remercier, Monsieur le Président, et tous les organisateurs d'avoir choisi la ville d'Aix-en-Provence pour cette manifestation. Je voulais remercier les maîtres ici présents qui nous font un grand honneur de venir dans Aix, capitale de Provence et aujourd'hui capitale de l'aïkido. Je crois que c'est extrêmement important. Dans une aussi grande convivialité, avec autant de simplicité, quand on l'a... La qualité que vous avez, les niveaux sportifs que vous avez, je crois que ça c'est vraiment le sport et puisque vous m'en remettez un, je lève mon verre et je vous ai trinqué avec vous puisque vous êtes un petit peu le héros de la fête. Donc, merci et merci d'être avec en Provence. J'ai trouvé dans ma vie, sur ma route, un jour de grand bonheur, un homme pas très grand, pas très costaud, mais qui est resté pour moi un exemple qui l'est tous les jours et que je cherche toujours parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Et quelque part, ce grand maître que je vénère, que j'écoute, se transforme au fil des âges de plus en plus en une espèce de frère. Au nom de tous vos amis marocains, ils sont nombreux. Merci, Sensei. Merci d'être là. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, mes amis, qui avez rendu cette rencontre possible. Merci encore à tous ceux qui, dans l'ombre, silencieusement, ont travaillé pour que cette rencontre soit une réussite. Et elle l'est. Merci mille fois de m'avoir supporté. La Deutsche Föderation, recht herzlich bei Tamura Sensei bedanken. Thank you.
Pour la Fédération allemande, nous voudrions vous remercier beaucoup, Sensei, pour votre travail et votre enseignement en Allemagne. Dear Sensei, I never before met someone who worked so hard like you did. Cher maître, je n'ai jamais rencontré jusqu'à maintenant quelqu'un qui travaille avec autant d'énergie que vous-même. I have to thank you, Sensei, in the name of all the students of my country, the Netherlands, for the wise lessons you give us, not only for the tatami, but especially for daily life. Et je voudrais vous remercier, Sensei, pour ces merveilleuses leçons que vous nous donnez, non seulement sur les tapis, mais dans la vie quotidienne. I will be short, Sensei. I hope you will spend another 30 years for us in good health together with the family you create. Thank you very much. Et je serai vraiment très bref, mais je voudrais souhaiter, Sensei, que vous nous donniez encore 30 ans, que vous consacriez encore 30 ans à cette famille que vous avez créée, et je vous remercie profondément. Il y a 30 ans, je vous ai découvert, j'ai découvert l'aïkido aussi. Et que c'est un double message d'espoir et d'amour vers l'avenir. Et je voulais vous dire merci pour ce message d'amour. Merci encore, Sensei, pour tout ce message d'amour que vous nous avez lancé. Soyons, essayons d'être à l'image de ce que vous vouliez vraiment planter dans nos cœurs. Merci encore, Sensei. Il y a 30 ans, nous sommes arrivés en tant que mari et la femme à Marseille. On ne parlait pas français. La culture française, on ne connaissait absolument pas. Mais nous étions jeunes. Je suis déjà plus de 60 ans aujourd'hui. Normalement, c'est l'âge de la retraite. Quand on dit la retraite en japonais, c'est on entre dans la voie. Autrement dit, à partir de maintenant, j'aimerais bien étudier vrai Aikido. Mais je souhaite comprendre, approfondir ce chemin de l'aïto. Et ceci toujours avec vous. Je ne peux rien vous donner aujourd'hui, mais en entrant beaucoup plus profond de ce chemin, ça serait pour moi le remerciement envers vous. Je vous remercie très sincèrement pour ce soir.
Stage, vous avez expliqué. Le contracté, mon expression, mon attitude. Jamais, oh, contre. Vous restez tranquille, lui. Comme ça, vous aussi tranquille. Vous avez tué le délage, l'idée de droite. Laissez-vous continuer. Venez. Il faut trouver cette sensation. Pour ça, c'est pas uniquement le corps. Hein? Hier aussi, expliqué. Là aussi, là, ça a joué. Vous mettez bien et tout. Il faut faire mal. Ne marche plus, il sent, sans plus. Mais si c'est rien, sans rien. Donc ce que vous voulez. Hein. Donc à la fois, l'éducation de mental. Hier, je ne sais pas quelqu'un qui demandait un spirituel, ça, je ne sais pas. Enfin quand même, le mental, oui. Nous avons une mental. Il faut contrôler soi-même. Vous voyez? Donc il faut libre. Libre, ça veut dire, ah, je suis libre, je fais n'importe quoi. C'est pas ça, hein? Parfaitement contrôlé, vigilant, vous-même. Donc, ça, c'est la liberté. Vous voyez? Pour arriver à ça, on est obligé pour suivre ce travail, pour éduquer. Petitement, la main comme ça, c'est déjà différent. C'est sens, on dit. Hein? Et puis, il faut sincère vous-même, pour mentir vous-même. Ah, et tomber, donc ça va, c'est une faute. Mais non, même vous tomber, mais peut-être, c'est pas bien, comprenez? Même pas tomber, peut-être, vos adversaires pas tomber, mais votre attitude, peut-être exacte. Vous ne savez rien, mais enfin, c'est ça, là. Il faut sincèrement travailler de petit pour éduquer votre corps, avec le mouvement, vous voyez? C'est votre adversaire. Normalement, il y a un machin qui vous donne beaucoup de choses. Voilà. Comme ça, c'est pas l'ennemi. L'ennemi qui vient de vos amis. Voilà. C'est ça l'idée. Vous voyez? Alors, c'est la paix, donc tout le monde est gentil. Allez, tombez-vous, ouais. C'est pas tombé, c'est pas gentil. Non, c'est pas ça. C'est bloc, mais en fait, c'est cette bloc qui me donne quelque chose. Vous voyez? Mais je comprends. Mais c'est ça l'important, hein? Et bien connu. Vous Oh,
suivante. Vous allez développer la notion du timing sur une attaque semaine. Au moment de l'attaque. Donc, une fois sur Oura, une fois sur Omoté. Careful, because the showman's coming here. Showman arrive ici. Easy to just miss. Donc, il est facile de se déplacer de manière à ce qu'on ne soit pas touché. Idea of training is to get timing. Donc, l'idée, c'est de développer le timing. Donc, soyez attentifs au mouvement du partenaire et déplacez-vous. Et en aura et en moté. Juste ça, alors il faut bien corriger votre attitude encore une fois. Ce n'est pas avec la force que vous essayez de conquérir. Good.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vastpakken. Je plaatst je hand, dan komt de andere beweging vanzelf. In het verlengen van de joke, sturen. Veel mensen doen het op deze manier. Je kunt beter deze manier proberen. Verlengen van de joke. Thank you.
Come on.
Hey, you got it?